La mairie de Bouaké veut réduire la fraude au niveau de son état civil. Elle attend informatiser ce service dans les jours très proches. La mise en œuvre de ce projet nécessite de gros moyens. Le cri de cœur des responsables de la mairie a été entendu par l'établissement Walker. Cette structure vient de leur faire un don d'équipement informatique. D'une valeur de 2 millions de francs CFA, ce don est composé de 4 ordinateurs complets, de 4 onduleurs et de 3 imprimantes laser. Un geste loué par le premier magistrat de Bouaké. Ce sont des équipements qui sont donnés à mes services pour améliorer leur performance. Et cela tombe à pic parce que si vous connaissez la situation en informatique de notre mairie, vous allez vous prendre la tête parce que nous ne sommes pas suffisamment dotés. L'établissement Walker inscrit cette action dans le cadre de ses activités sociales en faveur des collectivités décentralisées. Nous pensons bien que aider une collectivité décentralisée, c'est aider directement la population parce que les collectivités décentralisées sont des agents de développement. Donc en aidant les collectivités décentralisées, nous aidons la population. C'est ce sens-là que nous faisons ce don-là et nous en luttons sur tout le territoire ivoirien. La structure donatrice veut également contribuer à élever le taux d'utilisation de l'outil informatique dans le pays qui est de moins de 10% à ce jour. Pour ce faire, elle attend former gratuitement 5 000 personnes cette année. Avec une durée de 2 mois, cette formation va permettre d'initier les populations de Bouaké à l'outil informatique.